L'arrivée du Grand Prix cycliste international Chantal Biya du 15 octobre 2017 au boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun a fait résonner l'hymne national du pays. Le coureur camerounais Clovis Kamzon Abesolo a remporté le maillot jaune tant convoité de ce tournoi. Avec une moyenne générale de 39,52 km par heure, le maillot jaune de ce 17e Grand Prix cycliste international Chantal Biya a parcouru les 575,3 km de la compétition en 14h33 minutes 7 secondes. Avec cette performance, il succède au coureur français Martial Roman au palmarès de l'épreuve camerounaise. Je pense que j'ai gardé le maillot jaune depuis 3 étapes parce que c'est un maillot que j'ai l'habitude d'aller porter. Je pense que j'étais serein, je ne m'affolais pas, je connais les attaques qui pouvaient aller au bout et j'ai pu gérer les écarts. Ici au boulevard, j'ai pu conserver le maillot jaune. Derrière ce maillot jaune, ce sont les Slovaques qui se sont démarqués dans toutes les autres catégories de la compétition, avec notamment les prix du meilleur grimpeur, du meilleur jeune et du classement à points. L'équipe a bien fonctionné parce que la deuxième étape déjà, on a presque couru en tête du peloton dès le début jusqu'à la fin. Aussi, la quatrième étape, on a bien contrôlé la course ensemble avec les Camerounais jusqu'à la fin et on a même réussi de gagner encore cette dernière étape aussi. La 17e édition de ce Grand Prix cycliste Chantal Biya qui s'achève a connu la participation d'une soixantaine de coureurs venus de 8 pays d'Afrique et d'Europe.